Elle court toujours, contre le temps. À 50 ans, Marie-Yvonne Icard est toujours en piste, à promener sa bonne humeur, à défier le chronomètre. Venue à l'athlée à 15 ans, championne de France junior à 16, elle s'éloigne pourtant assez vite des stades, avant d'y retourner à 37 ans. Un nouveau départ couronné de succès, 11 titres européens en vétérane sur le sprint, des records du monde, et toujours cette envie, ce besoin de courir. C'est un loisir qui est devenu un peu une addiction, je ne peux pas passer une semaine sans m'entraîner. Donc quand on s'entraîne beaucoup, qu'on a les meilleurs entraîneurs du monde, et qu'on a aussi un entourage qui vous pousse, mes enfants en particulier, bon ben voilà, après, il advient ce qu'il advient. Refais ta pompe. Elle court le 200 mètres en 26 secondes, le tour de piste en 1 minute. Objectif cette saison, battre les records du monde des plus de 50 ans. Elle qui est également 10 fois championne de France d'haltérophilie. Alors à l'entraînement, la Mâconnaise soigne son physique. Une athlète modèle, avec un corps sans désaccord. C'est fait par un don surtout, hein, c'est un don naturel du départ. Faut pas oublier que Marie-Yvonne, elle a été championne de France cadette, donc ça remonte à quelques années en arrière, mais elle a déjà une base qui est là, quoi, qui est déjà présente. Ensuite, du côté hygiène de vie, elle fait très attention sur ce qu'elle mange, sur le sommeil également, qui est important, sur l'hydratation. Et puis les entraînements, elle fait pas n'importe quoi non plus. Deux fois par semaine, elle retrouve les jeunes du club. Certains sont ses élèves, car sans ses baskets, elle est professeure d'anglais. Beaucoup ne savent pas son âge, même si elle confesse que depuis quelques temps, certains l'appellent madame. Mais une dame qui court vite, très vite, alors Marie-Yvonne donne le ton des exercices et glisse quelques conseils. Si des gens pensent qu'à 50 ans, on ne peut pas faire du sport et que moi, je leur donne envie ou que je leur montre qu'on peut, pourquoi pas? Mais moi, je n'ai pas l'intention d'être un exemple. Si les gens me voient comme un exemple, oui, pourquoi pas? Mais moi, je non. Moi, je fais juste ça pour moi. Je ne vois pas trop les années passées, à vrai dire. Je suis arrivée ici à 37 ans. J'ai l'impression de courir à la même vitesse. Je ne sens pas trop de différence. Et pas question de raccrocher les pointes. Tant que ses jambes la porteront, elle veut courir après les défis. La relève est de toute façon assurée. Sa fille a déjà pris sa foulée.